Salut à tous, c'est Jugi, et voilà, 15 janvier 2019. Pour le début d'année, une bonne année, j'avais fait Pac-Man, et là aujourd'hui je vais faire un bon gros jeu, toujours sur arcade, mais ça va être X-Men, l'univers X-Men. Je connais pas trop X-Men, puis ils sont 500 millions les mecs, mais je sais que c'est pas mal, super-héros et tout, j'aime bien. En plus, beat'em up, donc ça je kiffe, vous savez que moi je kiffe les beat'em up et les shoot'em up, tout ce qui est em up en fait, les plateformes em up, les courses em up, les FPS em up, moi j'aime tout ce qui est em up, mais vraiment, sans déconner. Et du coup, donc X-Men sur arcade en 93, 12 février 92. Édité et développé par Konami, donc sur arcade. Il est sorti après en 2010, ressorti sur le PSN et Xbox Live, sur Play 3 et 360. Il s'agit du premier jeu arcade sur l'univers des X-Men. Ah, donc déjà voilà. Je sais qu'il y avait un jeu aussi exclusif Mega Drive, X-Men. Peut-être que je testerai un jour, on verra. Moi, X-Men, je connais pas trop, sans plus, hein, en vrai. À part Wolverine, Tornade, et Magneto et Charles Xavier. Bon, voilà, bon, ce film, ça va être sûrement avec Magneto. Hein. Après, c'est un jeu d'arcade, donc il va être dur, mais j'ai crédit limité. Donc, est-ce que je vais finir le jeu ou pas en vidéo? Comme ça m'est déjà arrivé, ah, surprise. Donc voilà, du coup, X-Men sur arcade. Est-ce que j'ai une image là? Ah, j'ai une image qui peut être sympa là. Ta 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 ta. Ah voilà, la bande d'arcade X-Men. Franchement, je sais pas si vous allez voir, hein, mais franchement pas dégueu, pas dégueu. J'aime bien, un peu violet et tout, ça a l'air pas mal. Le jeu il a l'air excellent. On verra bien. Bon, bah du coup, let's go pour X-Men sur arcade. X-Men. Arcade, un peu à la Street of Rage et tout, excellent. Bon, Street of Rage, surtout le 2, hein, c'est le number one du number one de tous les jeux du monde. J'ai des dents blanches. Ah, le fléau, Juggernaut, c'est number one lui aussi. Cyclope, ouais, Wolverine, Colossus, ouais, ok. X-Men! X-Men! Allez! Crédit! Voilà. Cassage d'oreille, mais crédit. Y a pas Juggernaut? Non. Ben on va mettre Wolverine. Ouais, Wolverine. Wolverine! Magneto! Fais peur ça. Go and save the city. Donc voilà le jeu, il se passe comme ça et c'est excellent. Pour moi c'est Sentinelle ça je pense. Il me semble que c'est des Sentinelles mais je sais plus après. Hein. Beau, fluide, arcade, nickel, ça c'est plaisir ça. J'espère que vous avez vu ma vidéo Pac-Man hein, pour cette nouvelle année. Hein, pour fêter une nouvelle année, il fallait faire un petit jeu simple, sympa, tranquillou. Une vidéo pas longue mais il fallait faire Pac-Man quoi, la base de la base. Mais là... 15 janvier, on repart sur de bonnes bases et on attaque directement avec un putain de jeu d'arcade de fou, X-Men. Avec mes griffes en adamantium. Allez, viens ici. Attends, il y a une attaque spéciale, c'est là, je crois. Attends, mais laisse-moi oh. Attends, approcher. Ah, pas de griffes. Et là, je sors mes griffes. Ok. Ah, ok, ça fait mal ça. Et les mecs ils débarquent avec des rochers et tout, mais non, mais oui! Ah oui, non, mais c'est comme un peu Street of Rage aussi où il me faut de la vie en fait pour utiliser l'attaque spéciale. Ok. Et là on voit que ma vie, la bleue en haut là, eh ben il reste qu'une barre en fait. Ok. Donc voilà. Bon, vie limitée donc on s'en fout. Ok. Ah ouais, ça utilise quand même pas mal de vie. Ok! Pas courir là, non. On dirait vraiment des Samus, les mecs, hein, c'est incroyable. Mais non, mais oui, mais voilà. Triple combo. Ah, oui. Ouais. Je peux pas changer de perso apparemment. Ah, sans déconner, je suis arrivé où? Oh, le mec il est arrivé dans un truc bizarre. Voilà, ouais. Ben voilà, ben c'est bien, merci. Ben voilà, nickel. Ouais, mais je quitte quoi?
Ah mais je remets au début. Le camp. Bon, c'est pas grave, on remet au début. Mais je vais prendre Colossus. Et normalement je suis en facile. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le mec il a appuyé je sais pas où il est tombé. C'est pas savoir. Les options cachées on aurait dit, c'était bizarre un peu. On aurait dit un genre de diagnostic test, je sais pas quoi. Bon déjà avec vie limitée, pas besoin de mettre facile, mais bon là, hein. Wow. T'as pas d'Hadoken, attends, je fais Hadoken. Non, y'a pas d'Hadoken, hein. S'amuse, viens ici. Voilà. Déjà, ok. Y'a pas de vie, lui. Ah. Ben voilà, c'est cool. Metal Man est ici. Ah. On voit qu'il y a une porte. Ah ben même pas non. C'est un ascenseur en fait. Ça fait pas Street of Rage ça, putain. Ah ok, la création des sentinelles. Oulala, ok. S'ils viennent là, eux. Ah, ils sont cons. T'es un débile. Non, faut repartir de l'autre côté, ok. Bim. Bim. Bim, 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 triple bim, quintuple bim. Voilà. Ah, beat'em up, putain. Eh, deux coups, lui. Ok. Ah. Ok. Ouh là là. Alors attends. Ah merde, ça tue pas tout. Non. Ah. Des fois j'aime bien un peu vous laisser le son du jeu, la musique, les bruits, tout ça quoi. Voilà. Ah, carrément. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas lui. Gourdoman, mais... Il est mort? Ah non. Ça va le mec, Golden Axe. Non, mais oui, mais ouais, mais oui. Comment je fais pour changer de perso? Ah carrément. Ah ben voilà, mais dis-le moi avant. Ouais. Wow. Voilà.
Xavier. Charles Xavier. Ah, Juggernaut. Ben oui, le frère de... Attends, Juggernaut, donc le fléau, là... C'est le frère de Xavier, non? Je crois. Je sais plus. Bon, bref. Mais là, j'ai deux pouvoirs, super pouvoirs, il y a marqué en haut, là. Mais je sais pas comment on fait pour les activer, en fait. C'est ça, le pire. C'est ça, apparemment, mais... Je sais pas, bon. Jungle! Voilà. Beau, ça. Oh, putain, dinosaure, maintenant. Enfin, des quoi, des crocodiles, non? Qu'est-ce que c'est? Bien dégueulasse, hein. Oh, putain, des plantes aussi. Oh là là. Ah, voilà. Eh ouais, tous les pesticides qu'on met et tout, ben voilà, après ils se transforment, maintenant ça mute, voilà. Faut pas qu'on te des reptiliens en plus. Maticolate, eh, eh bien si. Voilà, faites chier, hein, moi je te le dis. Voilà. On peut taper les mecs à terre avec des Colossus, enfin avec les X-Men, d'accord. Un truc? Non. Oh. Oh, 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 je suis Magneto. Ok. Oh, lui, il est magnifique, lui. Lui, il est beau, lui. Alors, lui... Oh là là. Ah, Blanca. Ah non. Ah, c'est le fauve, non, peut-être. Moi, j'appelle Blanca. En plus, il est blanc, donc allez hop. Voilà, Blanca. Blanquette, allez, viens ici. Bim. J'aime bien parce qu'il change de couleur et en clignotant, c'est pas mal. Ils deviennent shiny à chaque fois, en fait. Dès qu'ils meurent, ils sont shiny, quoi. Font mal en plus, hein. Ben, j'ai peur que si j'ai plus de vie, je sais pas, quand j'ai plus de vie, je reviens à zéro, game over, ou je peux changer de perso. Franchement, je sais pas. C'est pour ça que j'appuie pas sur crédit, mais... Yeah, ok, j'y vais. Go to the cave, save Kitty. Oh non, il y a tous les mecs maintenant, il y a les reptiliens, les mecs dégueulasses. Oh là là. Il y a Samus aussi. Ah. Ah non, je croyais qu'ils étaient plus gros que les autres. Oh là là, ah oui. Voilà, beau ça. Ouais, Street of Rage avec leur moto, allez-y, venez. Donc tu vas lâcher ton arme. Voilà. Laissez-moi entrer. Ah, ok, ascenseur encore. Ah, là, je peux utiliser l'attaque spéciale, en fait. En fait, c'est ça. Quand j'ai plus de vie, assez de vie pour l'utiliser, je peux quand même l'utiliser avec les deux boules derrière. D'accord, ok. Mais il me tire de l'eau. L'autre qui me brûle, l'autre qui me mouille. Ah bah... J'ai plus de vie, hein. On va voir. Hein. Si c'est vraiment game over, ben, bah, finis la vidéo. Si c'est pas game over, ben, bah, change de perso et on continue un petit peu. Un petit peu, j'ai dit, hein. Oh, 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 à chier. C'est vrai qu'on peut les tabasser à terre, en fait.
en l'air aussi. C'est qui lui? Plus de vie, attention. Oui, je veux continuer, mais... J'ai pas compris, j'ai plus... Ah, je sais pas, on s'en fout. Game over. C'est ça, voilà, peut être utilisé quand l'indice de vie. Ouais, ok. Ils sont tous là, hein. Je m'en fous, je vais essayer de crever. Faut que je change de perso. On a vu Wolverine au début, bon, c'est bien. Oh. Ce jeu, c'est ascenseur, hein, putain. Ah. C'est qui? Alors là. Vous êtes sympa, très sympa. T'as fait chier. Ouais. Oh, oh, oh. Plus de vie, j'ai plus rien, c'est vrai. Plus de power-up, plus de super-power, plus de rien du tout. Oh putain, ouais, lui, là. Ça va, mais il y a tout le monde, là, c'est la fête. Oh là là. Attends. Ok, je peux changer comme ça, il fallait me le dire. On va mettre Cyclope, t'es. Cyclope. C'est quoi son attaque, attends. Ouais, logique. Non. Yeah, Juggernaut. Lui, normalement, lui, c'est voilà, lui, c'est fou furieux. Même pas besoin d'armes, lui, tu vois. Sans déconner. Il fait mal en plus avec son arme de merde là. Ah, on va recharger encore, on va essayer un peu tout. Dazzler. Comment tu peux péter la gueule à Juggernaut sans déconner? Le mec, il est toujours caché quelque part. Ah, bah oui, évidemment. Bah oui. C'est bon. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh là, pitié, hein, je te le dis. Hein. Ouais, ouais. Ouh là là. Évidemment, of course, ah oui. Je sais plus comment ça s'appelle en français.
Je crois qu'il va directement vers les ennemis en fait. Attends. Ouais, me semble. Hein. Oh putain, oulala. Ok, 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 non mais oui. Ok. Ah bah si, ok. Ok, tout va bien. Storm. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, quand même. Game over. X-Men, X-Men. X-Men, X-Men. You must foil his plan before it's too late. X-Men, X-Men. Pas mal n'empêche le jeu. Golden. Elle a quoi dans les mains? Je sais pas ce que c'est en fait. On dirait un... Je sais pas, franchement je sais pas. Ça va mec, ça me déconne. Ce que je vais faire, c'est que dès que je meurs, je prends Wolverine, et dès que je meurs, là j'arrête. Oh, il est encore là lui, gourmand. Enfin, gourmand fake quoi. Fake gourmand. C'est vrai qu'on peut le tabasser lui. Lui aussi peut nous tabasser. Et on finit avec Wolverine. Wolverine. Non, je veux pas mettre 5. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là. Pour me casser le cul. Allez, viens. Blanca est gourmand, quoi. Ok, gourmand est mort. Oh putain, ils sont tous là. Oh, j'avoue, j'arrive à la fin du jeu, quoi. Chier toi. Tous allez chier. Ouais, ils sont tous là en fait. Ouais, ouais, mais non, stop là. Mais non, mais laisse-moi la cataracte. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Clignote pas lui, hein. Putain, l'enfoiré. Bien sûr que c'était pas lui, on le savait. Hein. Il me reste 2 vies et 1 pouvoir spécial. Et après c'est la fin, voilà. Fin du jeu, je pense, ouais voilà. Kill.
Kill. Bah tu sais quoi, comme on est à la fin, je m'en fous, je continue. Voilà, on est à la fin là, c'est bon. Mec. Ah mais non. You're dead, c'est toi qui es dead. C'est spammage. Après c'est vraiment fini, bon c'est fini, mais si y a une super boss de fin, une transformation ou quoi, j'arrête. Mais je crois que c'est fini, hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Félicitations. Et voilà. Ah, the game is not over yet. Ah. Peut-être que j'ai mis facile dans le mode spécial chelou. Je sais pas comment j'ai fait déjà pour y aller, sans déconner, c'est dans le mode bizarre là. On peut passer ou pas? Si on peut passer. Bon, ben voilà. Bon, ben franchement, pas dégueu, pas mauvais. J'ai fini le jeu en plus, je suis content. Merci, crédit limité évidemment. Hein. Je galérais un peu au début pour changer de perso, je comprenais pas comment il fallait faire. Il fallait des crédits en fait, mais en fait quand tu choisis le crédit, tu choisis le perso avant de rappuyer pour relancer le jeu, enfin c'est un truc de fou. Mais moi j'ai pu tester les 6 personnages, vous montrer les 6 personnages, finir le jeu. Magneto évidemment, boss de fin, hein, bon voilà. En plus au moment il y a eu le mode Megaman, il fallait tout rebattre les boss et tout, oh putain truc de fou. Heureusement je suis arrivé je sais pas comment dans le menu bizarre chelou, j'ai pu mettre facile et tout, tant mieux. Bon après crédit limité, donc je peux mettre ultra extrêmement dur, j'en fous, j'ai crédit limité. Mais bon la vidéo aurait mis 15 ans, là elle a fait une demi-heure à peu près, donc ça va, je suis content. Beau, fluide, musique sympa. Colossus, heureusement qu'il est là, et oh, lui il casse tout et tout, c'est excellent. Les autres sont pas mal aussi, mais bon voilà. Non, franchement, nickel, pour le premier jeu d'arcade d'X-Men, bon beat'em up, franchement, c'est dans le top 5 des beat'em up, ouais. Street of Rage en premier, le 2, évidemment. Mais ouais, franchement, nickel. Donc merci à tous pour cette petite vidéo sur X-Men Arcade, et rendez-vous le 1er février pour notre test. Allez, à la prochaine!